Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On va commencer par le plus chaud, par l'élément le plus impactant cette semaine, qui est le plus proche de nous, donc les chiffres qui ont été publiés vendredi, donc au moment où j'enregistre ce podcast, donc il est 17h. On a eu en début d'après-midi le rapport sur l'emploi, le très attendu rapport sur l'emploi, notamment après la dernière réunion de la Fed, sur laquelle nous allons revenir également. Que nous montre ce rapport sur l'emploi, eh bien, il nous montre des chiffres très très largement supérieurs aux attentes. Deux fois plus de création d'emplois aux États-Unis que ce qui était attendu au mois de janvier. Plus de 350 000 créations d'emplois, on attendait un chiffre de 180 000. On a eu une très forte révision aussi, en tout cas une fouille forte, hein, 333 000 créations d'emplois pour le mois précédent, alors qu'on était sur un chiffre initial de 216 000. Donc une dynamique comme ça de création d'emplois qui n'avait pas été observée depuis plus de 12 mois. Il fallait remonter donc à janvier 2023 pour observer un tel niveau de création d'emplois aux États-Unis. Donc c'est vraiment bluffant comme chiffre, sachant qu'on avait eu en plus depuis quelques mois des chiffres qui étaient un petit peu ralentis. Et donc, on a cette très grosse surprise de ce rapport sur l'emploi, sachant aussi que dans ce rapport sur l'emploi, le taux de chômage n'a pas bougé, donc il est resté stable à 3,7%, et que le chiffre des salaires, le salaire notamment, salaire moyen, donc, hein, a réaccéléré. En janvier, on était à 4,1% de progression en rythme annuel au mois de décembre. Les données de janvier nous montrent un 4,5%, ce qui est beaucoup. Donc, hein, et sachant qu'on avait également eu, entre novembre et décembre, un petit rebond, on était passé de 4 à 4,1 et là on réaccélère un peu plus fortement à 4,5. Et donc forcément ça s'interpelle parce que toutes les données eh bien, sont très bonnes dans ce rapport sur l'emploi et notamment la question qui va se poser, eh bien, c'est notamment par rapport au salaire notamment. C'est ça en fait que la Fed surveille un peu comme la BCE de son côté, c'est dans quelle mesure il y a une boucle salaire-prix, dans quelle mesure les salaires et la demande, donc notamment aux États-Unis, si les salaires progressent plus fortement qu'attendu, qu'en plus les taux ont baissé, donc que les salaires réels progressent et donc améliorent le pouvoir d'achat. Et bien dans quelle mesure ça peut finalement, c'est très bon pour l'économie d'un point de vue de la consommation, mais dans quelle mesure ça peut freiner le retour de l'inflation à 2%? Parce qu'il y a d'un côté l'aspect macroéconomique qui est très favorable avec ce genre de rapport, de l'autre côté, ça soulève des questions sur la date des premières baisses de taux de la part de la Fed et combien de baisses de taux ensuite. On rappelle là notamment la réunion de la Fed mercredi, donc hein, c'est l'autre événement de cette semaine, c'était cette réunion de la Fed. On rappelle que le marché, dans les anticipations qu'on avait du marché, notamment via ce qu'on appelle les futures Fed Funds, hein, qui sont des instruments permettant de voir les probabilités en fait de baisse de taux ou de hausse de taux de la Fed, le marché était convaincu que, en gros, post-réunion de la Fed là ce mercredi, ça allait ouvrir la voie aux baisses de taux au mois de mars. Hein, le pricing était celui-ci, c'est que le marché était convaincu qu'on aurait une baisse de taux au mois de mars et qu'en gros, Jérôme Powell allait ouvrir la voie à ça. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça n'a pas été le cas. Lui-même d'ailleurs, hein, Jérôme Powell a dit que pour lui, le scénario de base, ce n'est pas une baisse de taux au mois de mars, donc cette baisse de taux n'est pas probable au mois de mars, donc probablement au T2 ensuite, hein, ça peut être donc à la réunion qui se déroulera fin avril, début mai, donc, hein, où le 1er mai on aura la conclusion de cette réunion, voire juin. Mais en tout cas, Jean-Paul a repoussé cette hypothèse de baisse de taux en mars. Il a expliqué aussi que il y avait un consensus en gros, qui est pas, enfin pas un consensus, mais qu'il n'y ait pas eu de discussion pardon, au sein du comité donc, de cette semaine pour la réunion, il n'y a pas eu de discussion sur une baisse de taux. Et donc pourquoi on souligne ça? Parce qu'il faut se souvenir qu'en décembre, à la dernière réunion, ou l'avant-dernière réunion du coup, Jérôme Powell, c'est celui qui avait ouvert la voie aux discussions des baisses de taux, chose que Christine Lagarde n'avait pas faite, et ne fait toujours pas d'ailleurs, même malgré la dernière réunion. Hein, donc c'est lui qui avait finalement embarqué le marché dans cette hypothèse de baisse de taux. Alors, non pas qu'on ait besoin qu'ils nous embarquent là-dedans, parce qu'on avait vu que les taux, dès le mois d'octobre, avec des chiffres d'inflation qui s'amélioraient, octobre, novembre, décembre, que les taux aux États-Unis commençaient à partir de la baisse de manière assez sensible. On avait perdu plus de 100 points de base hein, en moyenne sur les taux américains, les taux longs, les taux courts. Surtout les taux longs, donc à le 10 ans ou autre, qui est perdu quasiment 120 points de base. Donc le marché était déjà dans une optique que les chiffres d'inflation ralentissant, on allait commencer à avoir effectivement des hypothèses de baisse de taux qui allaient se présenter. Mais Jérôme Powell avait vraiment acté la chose quasiment en disant lors de la réunion de décembre, que les baisses de taux allaient commencer à être discutées, ou pouvaient commencer à être discutées. Et donc, à la réunion là qu'on a eue en janvier, donc cette semaine, il n'ouvre pas plus la porte que ça, il la referme même en disant qu'il n'y a pas de discussion en janvier sur les baisses de taux, et que c'est peu probable qu'il y en ait en mars. Et
vous voyez le paysage se former. C'est qu'ensuite, alors il a quand même dit beaucoup de choses dans cette réunion, il a dit que encore une fois, que la Fed agissait réunion par réunion, que si en gros les données d'ici le mois de mars le justifiaient, à ce moment-là, oui, il y aura bien une baisse de taux en mars. Hein. Ce sont les données économiques, c'est la fameuse data dépendance, ces données économiques qui vont décider ou pas et qui vont pousser la Fed ou pas à baisser ses taux. Hein, si effectivement les statistiques sont moins bonnes, beaucoup moins bonnes ensuite jusqu'au mois de mars, probablement que nous aurons à ce moment-là une baisse de taux. Mais à ce stade, on voit quand même bien que le pattern, la configuration que le marché avait en tête et qui avait été formée, modelée par Jérôme Powell en décembre après cette réunion, on voit que cette configuration est quand même en train de changer. Déjà par les propos de Jérôme Powell récemment, et ensuite par ce rapport sur l'emploi, hein, qui était vraiment détonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un peu plus tôt dans la semaine, il faut aussi se rappeler qu'on avait un autre chiffre de l'emploi, ce qu'on appelle le chiffre JOLTS, qui mesure les emplois vacants aux États-Unis. Eh bien, c'est le deuxième mois consécutif qu'on a un rebond des emplois vacants aux États-Unis. On est repassé au-delà des 9 millions d'emplois vacants. Je rappelle qu'avant Covid, on avait des niveaux autour de 7 millions d'emplois vacants. Vous voyez, donc, c'est une donnée parmi d'autres sur l'emploi, mais vous voyez, qui vient s'agréger finalement à ce très bon rapport sur l'emploi et qui montre le marché de l'emploi reste globalement assez tendu, et un marché de l'emploi qui reste tendu, c'est une bonne chose d'un point de vue d'activité économique, c'est-à-dire que l'activité est bien là, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça peut, par l'effet des salaires notamment, qui continuent de progresser, eh bien ça peut freiner, en fait, par l'aspect de demande, ça peut freiner le retour de l'inflation vers les 2%. Et le risque ultime, ce serait quoi? C'est que jusqu'à présent, on a eu des belles améliorations des chiffres d'inflation, notamment sur l'inflation PCE cœur, qui est donc la mesure préférée de la Fed, hein, c'est l'inflation sous-jacente, qu'on appelle l'inflation PCE sous-jacente. Elle est tombée à en dessous de 3% sur la dernière mesure. Donc c'est ça qui a aussi encouragé le marché à considérer que la Fed était sur le point de pivoter. Mais s'il s'avère qu'on a un marché, une économie américaine qui est quand même bien résiliente, voire plus qu'attendu, on rappelle que le chiffre de la croissance au T4, c'était 3,3%, alors que le consensus était à peine au-delà de 2%, vous voyez. Donc s'il s'avère qu'on a une économie qui est plus résiliente, c'est une très bonne chose effectivement pour l'activité économique, mais le verre de l'autre côté un peu à moitié vide, c'est le verre à moitié plein, c'est évidemment très bon pour l'éco, le verre à moitié vide, c'est qu'il faudra du coup repousser de la part du marché des anticipations de baisse de taux qui venaient un peu trop vite. Alors on peut dire, bah oui, mais donc c'est pas un problème, si l'économie américaine encaisse des taux très élevés, finalement, est-ce que c'est important pour le marché qu'il y ait ces baisses de taux? Disons que dans le pricing qui avait été fait par les marchés et la détente qu'on avait notamment observée, souvenez-vous, c'était à partir du moment où les taux avaient commencé à se détendre, c'était octobre, novembre, fin octobre, hein, novembre, décembre notamment, et Powell avait accéléré le mouvement lors de la réunion de décembre, eh bien, le marché action s'était verticalisé à ce moment-là, et partout, en Europe et aux États-Unis. Donc vous voyez, ce mouvement de détente qu'on avait observé sur les taux obligataires, en anticipation justement que les chiffres macro qu'on avait à l'époque justifiaient de commencer à penser aux baisses de taux, eh bien, s'il s'avère qu'on ne baisse pas les taux, quelle est la justification à ce moment-là que ces taux restent sur les niveaux bas où ils ont pu évoluer plus récemment, même s'ils sont un petit peu redressés en janvier. Mais à ce moment-là, les taux risquent peut-être un peu de rebondir à ce moment-là, et dans ce cas-là, on pourrait avoir une mécanique un peu inverse sur les marchés actions qui ont été un peu emportés par leur élan, par la détente des taux obligataires et leurs anticipations au marché de ces baisses de taux qui ne viennent pas pour l'instant, et à ce moment-là, nous pourrions avoir une petite correction par simplement un aspect un peu de normalisation sur des anticipations qui étaient un peu trop généreuses en termes de timing de baisse de taux, de timing et de quantité globale de baisse de taux. Je rappelle qu'à aussi, quand le marché verticalisait les actions ou autres, hein, les indices actions verticalisées dernier trimestre l'année dernière, il y avait encore aussi, pas seulement l'anticipation du timing des baisses de taux, mais le nombre de baisses de taux anticipées. C'était 6 baisses de taux anticipées. Même à un moment donné, on était quasiment sur 7 baisses de taux anticipées cette année. Donc vous voyez, ces très bons chiffres-là qu'on a, PIB, rapport sur l'emploi ou autre, n'ouvrent pas donc logiquement la porte à autant de baisses de taux. Or, ça avait été un gros critère de hausse des marchés à ce moment-là, vous voyez. Donc, c'est bon pour l'économie, et ça, le marché action peut évidemment s'en contenter, ça, c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un ajustement un peu nécessaire pour les marchés actions américains par rapport à des taux qui, finalement, ne baisseront pas aussi vite que le marché plus anticipé à un moment donné, et pas aussi, pas autant d'amplitude, hein, pas 7 baisses de taux, comme aussi le marché est plus anticipé à un moment donné. Voilà pour ce gros épisode donc de la Fed notamment. Cette semaine, il y a eu un petit épisode qu'on a quand même surveillé, un stress qui est revenu sur les banques régionales américaines. Souvenez-vous, c'est ce secteur qui a été fortement impacté au premier trimestre de 2023 avec la faillite de SVB. Ça avait d'ailleurs poussé à l'époque un peu de concentration. Il y avait des banques régionales qui avaient été rachetées par il y avait quelques fusions, d'autres banques qui avaient racheté les actifs, etc. Et la Fed qui avait aussi dû interrompre temporairement la norme
normalisation de son bilan, la réduction de son bilan, pour faire face à ce monde de stress sur les banques américaines. Donc, je ne dis pas qu'on en est là du tout, hein, ce n'est pas le propos. Simplement, on a observé pendant là, cette semaine, 2 jours consécutifs de baisse marquée, hein, plus de 10% de baisse dans ce secteur, à l'espace de 2 jours en bourse, hein, baisse en bourse donc des banques régionales. Après notamment qu'une des banques régionales, une d'entre elles est annoncé un versement de dividendes nettement inférieur à ce qui était pricé par le marché. Et donc, ça faisait un peu ressurgir aussi les craintes liées toujours à cet immobilier commercial. On sait que les banques régionales ont dans leur bilan, certaines, pas toutes, mais ont quand même de la dette, hein, des obligations, des financements pour cet immobilier commercial. Et que donc, dans un environnement où les taux, là, pourraient très bien se redresser encore un peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui en tout cas. Après ce rapport sur l'emploi, on prend 12 points de base sur le taux 10 ans, eh bien ça, c'est pas normalement un environnement génial pour le secteur immobilier. Donc, est-ce que des craintes ne peuvent pas aussi revenir un peu par là sur les banques régionales? Vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui, en revanche, on peut surveiller d'un point de vue de la stabilité marché, parce qu'on avait vu que ça avait eu des effets assez, assez forts, hein, au premier trimestre. Mais aussi, on peut dire, au premier trimestre 2023, pardon, mais aussi, on peut dire que si on commençait à avoir un nouveau stress sur les banques régionales ou autres, ça par contre, c'est un élément qui pourrait pousser la Fed peut-être à ajuster un petit peu à nouveau le rythme de réduction de son bilan, c'est-à-dire peut-être à mettre un peu sous modération la réduction de son bilan, et peut-être à assouplir à ce moment-là un petit peu la tonalité en commençant à aller un peu plus sur le terrain des baisses de taux. Vous voyez, ça c'est aussi une possibilité. Vous voyez, donc, mais à ce stade, ce qui ressort de cette semaine, c'est quand même l'incroyable performance qu'on a eue, hein, du rapport sur l'emploi, qui donc repousse un petit peu plus le sentiment d'une imminence de baisse de taux. Pour l'instant, c'est plutôt le mois de mai, donc, hein, parce qu'après la réunion de mars, la réunion suivante, elle commence à toute fin avril, mais elle est sur 2 jours. En fait, une réunion, c'est toujours sur 2 jours pour la Fed. C'est le dernier jour d'avril et le premier jour de mai. Donc la décision sera rendue le premier jour de mai, donc le 1er mai, et la réunion suivante, ce sera en juin. Donc vous voyez ça. Les probabilités de baisse de taux désormais sont plutôt vers cette phase-là, milieu du T2, voire fin du T2. Voilà ce que nous pouvions dire. Jérôme Powell qui va s'exprimer d'ailleurs, hein, ça sera sûr quand même. Il va s'exprimer dans la nuit de dimanche à lundi sur un plateau d'une émission américaine. Et ce sera donc à 1h du matin, heure française, qu'il s'exprimera. Voilà ce qu'on pouvait dire. Dernier élément, c'est la Chine. Une déclaration intéressante, en tout cas mettre du côté positif des choses, la déclaration du vice-ministre des Finances en Chine, qui a expliqué que la Chine continuera en gros d'appliquer une politique budgétaire suffisamment, je ne sais plus quel terme exact il a employé, mais de nature à soutenir, si vous voulez, l'économie, hein, une certaine intensité, je vois, pour prendre ces termes, je crois que c'est ça, son mot, ça veut dire avec une certaine intensité, qu'il y aura toujours un soutien budgétaire qui sera fait, notamment pour soutenir la demande intérieure. Et ça, on sait que c'est un point clé pour l'économie chinoise. On voit que c'est ça qui a posé un peu problème au moment du déconfinement, notamment. Beaucoup pensaient que les Chinois allaient reconsommer massivement, comme l'ont fait les Européens et les Américains après leur confinement. Et on s'est rendu compte que la dynamique de demande intérieure était assez moyenne. On l'a vu notamment via des chiffres d'importation qui avaient du mal à accélérer. Donc voilà, c'est entendre ce genre de discours. Alors c'est une phrase de plus. Hein. Ça fait maintenant des mois que la Chine, que les autorités multiplient les déclarations de soutien aux marchés financiers, aux banques. Là, c'est via les budgets, etc. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit d'un point de vue marché, c'est qu'il n'y a pas encore de rebond qui se dessine de manière certaines sur les marchés chinois. Il y a des rebonds et puis à chaque fois ils sont corrigés, vous voyez. Et globalement, le marché est toujours une tendance baissière. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné, on sente qu'il y a quelque chose qui percute réellement positivement le sentiment des investisseurs sur la Chine, une annonce, quelque chose qui, à un moment donné, où on voit non seulement l'intensité de l'annonce, mais aussi on voit le rebond des marchés chinois se faire dans la foulée et pas 2 ou 3%. Il faudrait des rebonds. Un bon 10% de rebond pour commencer à se dire, ça y est, là, il commence à se passer quelque chose et on commence enfin à changer un peu de braquet et à changer d'optique hein, sur les marchés chinois qui, pour l'instant, n'offrent toujours pas de prise confortable pour revenir acheteur sur les niveaux actuels. Voilà ce qu'on pouvait dire. Puis les PMI chinois, donc les indices d'activité en Chine, qui ont également un tout petit peu rebondi, c'est très léger. On sent quand même qu'il n'y a pas de dynamique massive. Très, très petit rebond des PMI manufacturiers et un petit rebond également PMI de service. Voilà. On aura d'autres PMI qui vont être publiés la semaine prochaine et c'est là-dessus qu'on va terminer donc, le podcast. Le programme pour la semaine prochaine, donc lundi, donc on le disait, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, Jérôme Powell s'exprime.
On aura lundi après-midi l'indice ISM Service aux États-Unis, donc important évidemment pour mesurer l'activité dans le secteur des services, où on rappelle, c'est dans ce secteur des services que l'inflation reste la plus importante, et donc c'est surtout contre cette inflation-là que se bat la Fed. Donc tout signe, c'est de poursuite de ralentissement de l'ISM Service, et notamment de ses composantes de prix. Vous savez que dans l'ISM, il y a des composantes différentes, emploi, prix, nouvelles commandes, etc. On verra si effectivement il y a un rebond ou pas de l'ISM, qui était plutôt assez faible la dernière fois, hein, vers 50.6 ou 50.7, mais donc on verra si il reste faible et si voir si même pas il passe sous 50, ce qui sera un signe de contraction, et on surveillera aussi cette composante de prix qui évidemment joue un rôle par rapport aux anticipations d'inflation. Donc ISM Service lundi après-midi, un discours également de Bostik à surveiller en fin de journée, ce sera lundi, et là ce sera important parce que justement ça arrivera après ce rapport sur l'emploi. Donc Bostik, on rappelle, hein, lui il estimait il y a quelques temps qu'il n'y aurait pas de baisse de taux avant le troisième trimestre, ensuite il avait un petit peu révisé ses propos en disant que si les données le permettaient, pourquoi pas commencer à baisser les taux au deuxième trimestre, donc on verra là, ce qu'il pense après ce rapport sur l'emploi. Donc ce sera une première prise de température parce que l'intervention de Powell a été enregistrée, et normalement, il est possible qu'elle ait été enregistrée avant le rapport sur l'emploi. Donc, il est possible que Paul ne dise rien de nouveau par rapport à ça. Bostik, lui, en revanche, ce sera en direct. Et donc, on verra ce qu'il pense des chiffres de l'emploi, là, publiés en cette fin de semaine. Mardi, on aura la décision de la Banque d'Australie, pour ceux qui traitent sur les devises australiennes ou les actifs australiens. On aura ensuite les commandes industrielles en Allemagne. On aura les ventes au détail au niveau européen. On aura un autre discours l'après-midi d'un membre de la Fed qui s'appelle Mester. Donc on écoutera ses propos. Mercredi, ce sera autour de la production industrielle en Allemagne d'être communiquée. On aura deux autres membres de la Fed qui s'exprimeront aussi, Barkin et Kugler. Donc oui, ça fait beaucoup de speakers de la Fed. Hein. Ça va être important à suivre par rapport justement aux anticipations de marché. On aura ensuite une adjudication qu'on surveillera également, adjudication du Trésor américain, ce sera mercredi, sur une obligation à 10 ans, donc à suivre, voir le niveau de demande, voir les taux également, les rendements de cette adjudication, toujours important à voir quel est l'appétit des investisseurs étrangers pour la dette américaine, surtout sur les maturités un peu longues comme celle-ci. Jeudi, les chiffres d'inflation en Chine, ça aussi c'est important par rapport à la santé de la Chine. On rappelle que la Chine connaît actuellement depuis plusieurs mois sa plus forte déflation depuis 1999. Hein, donc c'est pas une phase mineure que traverse la Chine, ça on l'a bien compris avec l'immobilier notamment. Donc on aura des chiffres d'inflation, on verra si ça s'améliore. En fait la Chine c'est tout le problème, c'est l'inverse du problème de l'Europe et des États-Unis. C'est que pour qu'on soit rassuré sur la Chine, il faudrait qu'il y ait un peu de rebond d'inflation. Vous voyez que les prix à la production rebondissent aussi un petit peu. Vous voyez, donc c'est tout l'inverse en fait. Hein. Pour être rassuré sur la Chine, il faut des rebonds d'inflation, alors que en Europe ou aux États-Unis, un rebond d'inflation serait très mal perçu par rapport évidemment au resserrement monétaire des banques centrales. On aura jeudi également une stat sur l'emploi qu'on suivra avec beaucoup d'attention, évidemment, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. On aura ensuite un membre de la Fed, Barkin, je crois, qui va encore s'exprimer jeudi. Voilà, c'est Barkin, jeudi après-midi. Et vendredi, on terminera pas grand-chose vendredi. On aura un discours de membre de la BCE, qui est dans le président de la Bundesbank, Nagel. Donc on verra ce qu'il pense également, lui, de toute cette situation, notamment en Europe et aux États-Unis. Très bon week-end à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.